Salut, on est le matin du jeudi 22 février 2018. Il est à peu près 10h30. Je ne me suis pas levée aussi tôt que d'habitude. Aujourd'hui, j'avais pas forcément envie d'aller à la première séance de presse. Mais du coup, on va commencer aujourd'hui à 11h45 avec un film mexicain qui s'appelle Museo avec Gael Garcia Bernal. L'après-midi est encore un peu flou. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais à 19h, je vais aussi aller voir un documentaire sur le chanteur Ed Sheeran. On se retrouve aujourd'hui, finalement vendredi 23 février, il est 10h30 du matin, ça va être mon dernier jour à la Berlinale. Mais j'ai complètement oublié de débriefer hier les films que j'ai vus, donc on va faire ça tout de suite. Par contre, avant ça, je voulais revenir sur le film dont j'ai parlé dans le dernier vlog, celui de Steven Soderbergh qui s'appelle Unsane, où je disais qu'il n'avait visiblement pas beaucoup de qualité cinématographique. Et bien c'est parce qu'il y avait un petit secret qui se cachait derrière le film, c'est qu'il a été tourné à l'iPhone et que Soderbergh ne voulait pas que ça se sache avant, en tout cas, la première projection du film. Donc il a dû finir par le dire à la conférence de presse, mais je devais déjà être partie, du coup je l'ai lu dans le journal hier matin. Voilà, c'était écrit nulle part dans le programme, etc. Enfin voilà, et ça se voyait pas non plus, enfin il y avait aucun indice comme quoi ça pouvait être tourné avec autre chose qu'une caméra normale. Il y a donc eu un petit peu d'expérimentation derrière ce film et j'étais pas au courant, donc my bad. Effectivement, s'il n'y a pas beaucoup d'intérêt cinématographique, c'est peut-être dû à ce choix de caméra. Mais en même temps, si on y réfléchit bien, on se rend compte qu'il apporte pas non plus grand-chose au film, hein. Ça n'a finalement pas d'intérêt pour l'histoire et pas non plus pour la réalisation, parce que c'est pas comme s'il était impliqué que le film était tourné, caméra au point ou quelque chose, enfin bon, bref. Choix contestable donc. Hier, jeudi 22 février, qu'est-ce que j'ai fait? Comme je vous l'avais dit au début du vlog, je suis allée à la séance de presse de midi. J'ai vu un film mexicain avec Gael Garcia Bernal qui s'appelle Museo et qui était relativement sympathique, on va dire, quoique il manquait de rythme. Il était un peu long et on va dire que oui, c'est ça, l'action était carrément mal rythmée. Mais ça parlait de mecs à Mexico qui doivent avoir à peu près 25-30 ans, qui en ont ras-le-bol de leur famille et qui décident tout simplement d'aller voler des trésors nationaux au musée pour pouvoir les revendre et se faire un tas de blé. Le pitch est franchement sympathique. L'histoire l'est aussi, mais voilà, ça pêche un peu, ça patine un peu dans la semoule. Mais Gael Garcia Bernal était hyper sympa à suivre. Enfin voilà, c'était tout à fait correct comme film, mais comme d'habitude, je trouve pas que ce soit au niveau d'une compétition de film international. Je me rends compte qu'il y a quelque chose que j'ai pas du tout précisé aussi à la Berlinale, c'est qu'il y a 400 films qui sont passés, ça je l'avais dit. Par contre, évidemment, ils ne sont pas tous dans la section compétition, il y en a 19 en compétition. Les autres, ils sont rangés dans différentes sections. Il y a la section des premiers films de nouveaux réalisateurs allemands, il y a Panorama et Forum qui sont des sections de découverte de films du monde entier, on va dire. Et je crois que c'est un petit peu propre à Berlin, il y a aussi deux sections de films qui sont adaptés à un public plus jeune. Parce qu'il faut savoir qu'en festival, normalement, on n'a pas le droit d'acheter de billets si on n'a pas 18 ans, parce que les films, même s'ils ne sont pas offensants ou quoi que ce soit, n'ont pas encore d'aval du CSA des pays en question, du coup ne sont pas validés comme adaptés à une certaine audience. Et donc à Berlin, pour que les enfants et les adolescents ne soient pas lésés, il y a deux sections qui s'appellent Generation qui sont proposées, une adaptée aux moins de 14 ans et l'autre pour les 14-18 ans. Et bien sûr, ce ne sont pas forcément des films pour enfants, ce sont simplement des films qui parlent notamment d'enfance pour la plupart et qui sont considérés comme étant adaptés à un public plus jeune, bien qu'ils puissent être bien sûr regardés par n'importe qui et qui n'ont pas forcément un traitement réservé aux enfants. J'ai bien voulu aller voir hier après-midi un film québécois qui s'appelle Les Faux Tatouages ou un autre aussi qui s'appelait Denmark, mais évidemment, y avait déjà plus de billets pour les journalistes. Donc j'avais un peu le seum. Ça m'aurait permis aussi de vous montrer un autre cinéma de Berlin, le Zoopalast, et puis de vous emmener aussi voir... Ça m'aurait permis de vous emmener voir un autre cinéma de Berlin, le Zoopalast, et vous montrer un public de festival
d'adolescent pour le coup, ce qui je pense n'existe nulle part ailleurs sur Terre, peut-être à Sundance, peut-être à Toronto, enfin bref, c'est très très rare de voir des sections adaptées à un jeune public dans les festivals. Bref, j'ai pas eu de billet pour ces deux films qui me paraissaient être très très intéressants, et du coup je me suis rabattue sur ce qui était proposé en projection presse dans la section compétition. Voilà, là vous avez ma tête. C'était un film roumain qui s'appelait Touch Me Not, financé par à peu près la moitié de l'Europe, dont l'Eurométropole de Strasbourg. Quand j'ai vu ça au générique, je me suis dit « Ah ben banco, hein, finalement on va voir ce que finance un petit peu mon coin ». Alors, pour être très clair, c'était un faux documentaire sur une femme d'à peu près 50-60 ans qui ne veut plus qu'on la touche. Et du coup, pour régler son problème, elle va voir un callboy qui se masturbe, un transsexuel, des handicapés qui apprennent à se toucher, et à un moment du film, tout ce joyeux petit monde se retrouve, pour vraiment le dire très clairement, dans une partouze. Voilà, donc tu regardes ça, tu fais « Ah super, il est 15h, j'ai un café, voilà, enfin, j'ai pas compris l'intérêt du film, j'ai pas compris l'angle du faux documentaire qui n'apportait rien. On vous explique pas vraiment, hein, moi, le fait que ce soit une femme qui ait plus envie de se faire toucher. Je l'ai déduit par moi-même. Jamais on te l'explique, on t'explique pas non plus sa démarche. Mais bon, le film faisait 2 heures, je suis partie au bout d'une heure et demie parce que fallait que je pisse, que j'en avais marre et que j'avais pas envie d'attendre forcément la fin. Pareil que pour le film allemand de 3 heures, les journalistes sortaient très facilement de la salle, ce que je peux comprendre, et du coup j'ai pas du tout compris l'intérêt de ce film, bref c'était un cauchemar. Du coup j'en avais marre, je suis allée me boire quelques coupettes de champagne dans un lounge avec une super vue sur Berlin, voilà. Et avant de pouvoir aller à la projection presse du documentaire sur le musicien anglais Ed Sheeran. Le documentaire Songwriter, écrit et réalisé par le cousin de Ed Sheeran, fait partie de la section spéciale gala, c'est-à-dire on met quelques films, pas du tout en compétition, hein, mais un petit peu en événement sympathique pour faire venir quelques stars quand même à Berlin. Et c'est pas la première fois que le Festival de Berlin met à l'honneur un documentaire sur un musicien. On avait déjà eu, il y a 3 ans, je crois, Montage of Heck, le documentaire sur Kurt Cobain. Il y avait sa fille, Courtney Love, qui était là. C'était l'année où j'étais dans le jury, du coup, ben, j'avais pas pu y aller. J'avais été assez déçue, parce que je suis une grande fan. Mais voilà, cette année, j'ai pu voir le documentaire sur Ed Sheeran, et c'était assez intéressant. C'est pas du tout un documentaire sur lui ou sur sa vie ou comment il en est arrivé là. L'axe a plutôt été pris sur comment il écrit une chanson et notamment comment il a écrit le dernier album. Donc c'est un petit peu une année de travail qui est montrée à l'écran. Si on s'intéresse au processus créatif, à la manière dont est fait un album et comment naît une chanson, ou de manière plus générale comment se fait l'art, et ben on peut être vraiment très intéressé par ça. Après, si on est plus à la recherche de gossip et de trucs croustillants sur Ed Sheeran, ben c'est pas vraiment là-dedans qu'on va les trouver. Voilà, en tout cas, c'était 1h30 relativement sympathique et qui m'a bien plu. Voilà, après ça, la journée était terminée. Donc aujourd'hui, j'ai encore 2 films au programme, mais on en reparlera donc plus tard. Matin du dimanche 25 février, je suis de retour à Strasbourg. J'ai un peu fini le vlog prématurément vendredi, encore à Berlin, parce qu'il s'est passé des choses qui ont fait que j'ai pas pu le terminer. J'ai encore vu vendredi matin un film allemand en compétition officielle qui s'appelait In den Gängen, donc dans les allées d'un hypermarché, en l'occurrence avec l'acteur Franz Rogowski qui était aussi dans le film de Christian Petzold et Sandra Hüller. C'était une sorte de tragicomédie sur des gens qu'on oublie souvent, hein, ceux qui ont des boulots pas toujours très cool comme bosser dans un hypermarché et faire les rayons. Enfin voilà, c'était lent mais c'était très sensible et j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai vu un film hors compétition avec des Inuits, c'était un film bulgare. Et c'était très très joli, voilà, c'était,
ça nous mettait complètement dans une autre atmosphère. On était sur la banquise avec eux, on chassait du poisson, on cousait des chapeaux en peau de lapin et tout ça sur un petit fond de drame familial. C'était, il y avait des plans absolument magnifiques et il y avait une grande sensibilité, il y avait une BO incroyable. Enfin voilà, ça valait le coup. C'est ce genre de film que je pourrais revoir nulle part ailleurs. Ça a l'air chiant comme ça, un film sur les Inuits. Même moi, je me suis dit ça en rentrant dans la salle. Mais honnêtement, c'était splendide. Voilà, maintenant je voulais parler avec vous du palmarès des ours d'or. Très clairement, si vous avez regardé le début de la vidéo et que vous connaissez déjà le palmarès des ours d'or, et ben vous savez déjà ce que j'en pense. Parce que je l'ai vu, moi, le film qui a gagné l'ours d'or, il s'appelle Touch Me Not et il est de la réalisatrice roumaine Adina Pintili. Et j'ai détesté, je ne suis même pas restée jusqu'au bout parce que pour moi, c'était pas vraiment un film, si je puis dire. Pour moi, Touch Me Not, c'est finalement assez loin du cinéma. C'était entre la réalité et la fiction, hein, c'était entre le documentaire et quelque chose d'écrit. Il y avait certainement des passages qui l'étaient et d'autres pas. Et pour moi, au-delà d'être un film avec une véritable intrigue, une véritable histoire qui peut emmener son spectateur, c'était pour moi une démonstration poussive. Alors, on comprend très vite le but du film, hein, il est de montrer une autre intimité, il est d'aller loin dans le rapport au corps qu'on peut avoir. Et la réalisatrice, elle a décidé de montrer des gens qui ne sont pas dans ce qu'on appelle la normalité. Mais bien que je puisse comprendre son message, pour moi c'était un film extrêmement superficiel qui oubliait complètement l'âme pour se concentrer juste sur quelque chose de charnel qui était hyper dérangeant. Enfin bon, voilà, vous avez déjà vu ce que j'en ai dit tout à l'heure, mais franchement, moi je comprends pas du tout cet ours d'or. Moi j'ai vu un tas d'autres films de la compétition, hein, je les ai pas tous vus parce qu'il y en avait quand même 19 et que c'est quand même beaucoup, mais j'en ai vu un sacré pourcentage. Et il y avait peut-être d'autres choses à primer. Alors effectivement, la Berlinale, ça suit toujours un petit peu une tendance de l'actualité. Et cette année, c'était vraiment axé sur MeToo, les femmes, etc. Oui, mais c'est génial de primer un film de femmes, un film roumain, un film qui parle justement de sexualité, bien que ce soit même pas vraiment ça le thème. Peut-être, c'est très bien, vive les femmes, hurrah, mais c'était pas la seule réalisatrice en compétition à Berlin. La Berlinale, c'est un festival qui a toujours mis les femmes à l'honneur sans aucun problème. Il y a toujours eu des réalisatrices dans la sélection officielle, ils ont toujours mis un gros point d'honneur à faire ça. La plupart d'ailleurs faisaient des films qui étaient très bien, dont on n'en avait plus parlé après. Mais là, je dois dire que Adina Pintili, c'était pas du tout la seule en compétition. La Berlinale, c'est certainement le festival le plus progressiste et le moins misogyne qui puisse exister. Mais bon, moi je trouve pas que ce film soit représentatif d'un cinéma qu'on pourrait appeler féminin ou même qui fasse non plus avancer les choses parce que c'est pas vraiment du cinéma ce film, enfin voilà. C'est pas le seul truc un peu what the fuck du palmarès, je ne comprends pas non plus pourquoi on a filé l'ours de la meilleure réalisation à Wes Anderson cette fois pour un film qui est un film d'animation. Enfin voilà, il y a des trucs comme ça qui me dépassent absolument. Bon, pour une fois, j'ai mis fin à ma malédiction, c'est-à-dire que toutes ces autres années, je n'avais jamais vu le film qui gagnait l'ours d'or, parce que ça passait toujours à 9h le seul matin où j'avais décidé de pas me lever. Ok, bon, là, c'était un film qui était l'après-midi, je l'ai vu, j'aurais voulu aller voir autre chose à la plage, je n'ai pas pu, du coup je l'ai vu. On a failli de nouveau avoir cette malédiction, mais on l'a échappé. Bref, mais cette fois-ci, je l'ai eu avec les acteurs, c'est-à-dire que j'ai malheureusement pas vu le film La Prière qui a permis au jeune acteur français Anthony Bajon de récupérer l'ours du meilleur acteur, et j'ai pas non plus vu le film qui a couronné l'actrice du Paraguay qui, elle, a gagné l'ours de la meilleure interprétation féminine. Donc je ne m'exprimerai pas là-dessus, malheureusement. J'aurais vraiment voulu que ce soit Mary Boyma qui l'ait, mais on a décidé autrement, ça je ne peux pas dire si je trouve personnellement que c'était mérité ou pas. Bref, du coup c'était franchement un palmarès extrêmement bizarre. J'ai quelques espions qui étaient là à la remise de prix qui ont dit qu'effectivement il y a eu une vague un petit peu de choc dans la salle quand l'ours d'or a été annoncé, hein, c'était pas du tout le favori. Faut dire que le film s'était même fait largement descendre par la critique allemande, enfin il était très très loin des classements des bookmakers, hein, ça c'est sûr. Pour moi, Touch Me Not Golden Bear 2018, et ben ça restera un grand mystère. J'ai trouvé ça voyeuriste, j'ai trouvé ça creux, j'ai trouvé ça poussif. Et franchement, pas agréable à regarder. Ok, certes, on n'avait peut-être jamais vu ça
au cinéma, mais c'est un format beaucoup trop hybride entre documentaire et fiction pour qu'on puisse... En fait, on a le cul entre deux chaises quand on regarde ça et on ne sait pas vraiment ce qu'on regarde. J'ai trouvé ça très désagréable. Bref, voilà. J'espère que vous avez aimé suivre toute cette berlinale avec moi. J'y retournerai à Warscheinlich l'année prochaine et on pourra refaire des petites vidéos. J'essaierai de vous montrer d'autres choses parce que j'ai pas fait tout le tour avec vous cette fois. Enfin, voilà, il y a encore d'autres choses à voir à la berlinale, dont notamment le marché du film. Je remercie, parce que je sais qu'elle passera par là, toute ma famille berlinoise qui a bien voulu m'accueillir pendant une semaine. Je vous remercie de suivre ces vidéos. Vous pouvez bien sûr aussi vous abonner à la chaîne, commenter, laisser un pouce bleu comme on dit, et me suivre sur Facebook et Twitter. Voilà, je vous dis à très vite.